discrimination par l'âge spécifique, sans faire référence à ce que disait Serge, y a-t-il une discrimination par l'âge en France spécifique, mettons pour les moins de 25 ans, les fameux jeunes? Je pense clairement que c'est évident qu'il y a une discrimination par l'âge des jeunes. Comme on dit souvent, quand on parle de discrimination par l'âge, on pense aux vieux. Très souvent. On pense à la difficulté de retrouver un emploi s'ils sont virés, aux problèmes du manque de formation, s'ils ne sont pas à la page. En gros, notre attention est tournée vers eux. Sauf qu'il y a les jeunes, et aujourd'hui, on en parle souvent quand il y a des échéances électorales, et il y en a actuellement, et d'un seul coup, ça devient un sujet très intéressant pour tout le monde. Sauf que c'est un sujet critique qui est important 365 jours par an, en fait. Parce que les jeunes, aujourd'hui, se retrouvent, après leurs études, dans une situation critique où ils ne trouvent pas d'emploi, et où ils sont obligés de faire des stages, d'où le militantisme à génération précaire. Donc ils cumulent les stages, ils n'en font pas que un, ils en font plusieurs, afin d'espérer trouver un premier emploi. Et d'ailleurs, dans le clip, là, ils disent « les jeunes ». C'est très intéressant de dire « les jeunes » parce que cette terminologie, elle va absolument grandir. Si on regarde l'INSEE, si on regarde les études de sondage, les jeunes, c'est les 18-25 ans. Donc en gros, déjà, moi, je suis plus dedans, j'ai 27 ans, c'est foutu. Sauf qu'il y a encore deux jours, j'étais en grosse galère de trouver un taf, j'étais discriminée par rapport à mon âge, parce qu'on privilégie, en fait, en gros, je suis dans la classe où, à mon âge, on fait encore des stages, on n'est pas vraiment, on n'est pas encore vraiment prêt pour un premier CDD ou CDI, même si on parle 5 langues, même si on a plusieurs masters, même si on a des doctorats. J'ai rencontré des gens qui avaient des doctorats et qui faisaient des stages. C'est aberrant, mais c'est la situation dans laquelle on est. Et c'est pas simplement un problème français, parce que quand on voit ce qui s'est passé cette dernière année dans le monde entier, quand on voit ce qui s'est passé en Espagne avec les indignés, quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, quand on voit ce qui s'est passé au Portugal, quand on voit ce qui se passe maintenant avec tous les mouvements contre l'économie actuelle, ce sont des jeunes qui se bougent en premier. Ce sont des jeunes qui disent que aujourd'hui, c'est plus possible de se faire traiter de la même façon, de ne pas être considéré comme un membre entier de la démocratie, et que ce qu'on a à dire n'est pas écouté par nos politiques. Et il y a le souci, c'est qu'on est là, on est l'avenir du pays, on peut enrichir l'économie, on a envie justement d'en faire partie, mais on nous stoppe dès le début. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est « bah écoute, tu galères, mais c'est normal, t'es jeune, tous les jeunes galèrent au début. » Mais galérer, c'est combien de temps? C'est un an après la fin des études? 2 ans? 3 ans? Pour ma part, ça a été 4 ans. 4 ans et demi même. Et j'ai même pas de CDD à l'heure actuelle. Je suis en formation, préparation, période de 1 mois, les fameux 1 mois avant d'obtenir, d'accrocher un CDD. Donc je sais que voilà, c'est un parcours en dents de scie dès le départ. Oui, être jeune, c'est galérer parce qu'on n'a pas beaucoup de thunes, que quand on est en stage, on est payé minimum 417 euros par mois, donc c'est pas énorme. Mais ça ne veut pas dire que pendant 4-5 ans, on doit galérer. Et ça veut dire que là, on se retrouve avec des générations qui ont plus de 30 ans, qui concrètement sont jeunes. On doit y rentrer, on devrait rentrer ces catégories-là dans les jeunes et pas s'arrêter à 25 ans comme le font les études, les sondages. Parce qu'à 30 ans, 32, 33, il y a énormément de gens en France qui n'ont pas encore d'emploi et qui ne sont pas insérés dans la société.